Bonjour, bienvenue à la boutique Parence. Aujourd'hui, vidéo spéciale BT4. Alors, je vous présente déjà la box qui est à gagner pour les avant-premières. Qui est grande, belle, tous les Goku. Le dessous, c'est Goku, et le dessus, c'est l'Ultra Instinct. À l'intérieur, nous pouvons ranger deux rangées de cartes. Alors, c'est toujours le petit goodies qui fait plaisir. Allez, passons maintenant aux choses sérieuses avec l'opening d'une boîte de booster de la BT4. Hop! Alors, je ne connais pas trop les cartes. J'en ai vu quelques-unes, mais pas beaucoup. Alors, maintenant, oui, les cartes promo, on les retrouve aussi dans les decks. Donc, du coup, c'est cool, ça sera plus facile à voir. Parce que quand il fallait un playset, c'était la galère. Donc, il y en a 4. Il y a un Piccolo, il me semble qu'il y a un Badak. Et la quatrième, je sais plus. Voilà, un petit coucou, forme ultime, la promo numéro 59. Les boosters qui sont toujours superbement travaillés. Alors, une inco, deux incos, trois incos. Elles sont belles. Ah, symbole. Les souvenirs. Ah ça je sais que c'est fort. Hop, bon, on commence par une SR. Très belle SR. Vegeta à n'importe quel prix. Je vais allumer un peu de lumière s'il fait un peu sombre. Des très très beaux boosters. Tout est collecteur, même les boosters. Un beau Goten. Tout puissant, Trunks. Ah, deux incos, du coup, on va avoir une foil. Même celle-là est superbe. Ectoplasme. Ah, bah oui, c'est le film Janemba. Très belle Bulma, panne fidèle, alors du coup en foil qui est, ah bah oui c'est une rare du coup c'est normal, il sera que en foil et la foil normale Gratz Yaman. Ah, je sais pas faire l'emballage. C'est masqué et Hildegarde. Non, c'était pas Janemba, c'était Hildegarde la forme spectrale. Je le confonds. Chef des Namek, la planète Namek, nouvelle carte de terrain du coup, Slug qu'on voit très rarement du coup, c'est bien. Très rarement en carte. Babigori, donc, qui existe aussi en version Jumbo, sortie avec la série X3, ce qu'on appelle en France la Gift Box.
Superbe carte. Chimera. 3 inco. Donc pas de 4 foils. A priori, oui, il y a une SR. Un beau petit Vegeta. Oh, elle est magnifique, franchement. Trunks Super Saiyan 3, je connaissais pas. Elle est magnifique. Allez, on va enchaîner. On va essayer d'aller un peu plus vite, histoire que la vidéo ne dure pas 30 ans. Je connais pas. Deux inco, du coup, on va avoir un petit foil. Ça va être super, ça, en foil. Les dessins sont vraiment beaux. Trunks en rare. Donc le Trunks du film. Gravy. Un petit Gohan. Espoir de la rêve. Donc oui, c'est la BT4, c'est basé sur l'histoire de Son Goku, j'ai vu, depuis qu'il est petit jusqu'à nos jours. Et du coup, il y a du Hildegarde aussi. Une SR qui est encore très très belle. J'aime beaucoup les gorilles. Les gorilles GT. On est proche, hein. Mais la SR, elle peut être bien. Oh, celle-là aussi, elle est belle. Deux inco. Hildegarde. Et un Trunks. Ah bah c'est aussi un héros du coup. Alors. Donc deux héros. Leader. Très beau. Une très très belle série. Deux inco du coup. Encore une foil. Slug rajeuni. Sangohan. Très belle carte aussi. Dans la série, je crois qu'il y a deux secrètes. Donc, je sais pas si on va avoir la chance d'en avoir une. Une SR, Jiren. Jiren, a priori, bien énervé, 12 mana. Trois inco. Une SR. À 8 mana encore. Ils ont la déflexion, je sais pas ce que c'est. Cette carte n'est pas affectée par les capacités, voilà, tout simplement. Triple frappe, réplique. Ok, donc... faut éviter le tour 8, quoi, avec ce deck. Contre ce deck. Un baby. Très très beau aussi. Très belle carte. Moi, ça me fait plaisir de revoir les persos de Dragon Ball. Deux inco, on va avoir une foil. La technique dragon. Et un mirage.
Démigra. Bon, ça je ne connais pas. SR. Le dieu démon des migras, encore une fois. Ça devrait être dans super aussi. Pour ceux qui galèrent à voir les boosters, pour voir un booster, c'est simple, vous poussez, vous remontez les cartes en haut, vous tenez sur le côté, et vous tirez la languette. Ça saute tout seul. Il y en a qui ouvrent les boosters avec les dents, ils mettent un quart d'heure. Alors, une petite foil. Panne. Ouais, très bien comme ça en feuille. Donc je suis en l'inviteur. 3 inco. Et un Bardock Super Saiyan. Deux inco. Nile en rare. Oh. Dès qu'il y a des éclairs, les foils sont super belles. Ça fait plaisir. Tesser, Piccolo, la forme du Tout-Puissant. Un Mira en leader. Slug leader. Avant-dernier booster. Non, ça va être une vidéo de moins de 15 minutes, c'est très bien. Piccolo. Daimao du coup, c'est Dragon Ball. Quand il vient juste de rajeunir. Oi. Bien, on aura une feuille en plus pour le dernier booster. Goku le missionnaire. Ouais, là je vois pas de quel épisode ça vient. Mais... Et Goten en train de se recharger. Donc voilà. Petite présentation d'une de mes figurines de ma petite collection perso. C'est une figurine qui vient du Japon. Une figurine Coca-Cola, je sais pas si on va voir. Voilà, on voit un petit peu. Donc c'était une série d'une dizaine de figurines. C'est sorti il y a plus de 10 ans maintenant. Donc voilà, il est tout cool. Voilà. Allez, tout ça, évidemment, ce sera disponible en vente à l'unité ou en booster par correspondance sur le lien qu'on vous mettra sous la vidéo. Le temps de trier les cartes, et dans quelques heures, ça devrait être dispo. Allez, bougez bien !